Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ces petits œufs de Pâques que j'ai créés pour le repas de Pâques, pour décorer votre table. Parce que ces petits œufs-là, vous voyez, je ne les ai pas montés en porte-clés. Vous pourrez tout à fait, moi je trouve ça sympa, vous les mettez, alors, ou vous les collez, ou vous les cousez sur un petit ruban qui, après, vient décorer votre petite serviette. Voilà. Et on peut supposer que après chaque invité repart avec son petit nœud qui peut très bien réutiliser chez lui. Voilà. Donc, pour réaliser ces petits œufs, il va vous falloir la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog, des perles amas mini, d'accord, du fil et d'une aiguille. C'est un modèle qui est très très facile à la portée d'un débutant et facilement réalisable avec un enfant. Voilà. Donc nous allons débuter le tissage. Alors, je vais poser la question à mon fils Hugo pour savoir lequel de ces petits œufs il préfère. Alors Hugo, dis-moi lequel tu préfères. Celui que je préfère, c'est celui-là. D'accord, celui avec le petit nœud rouge. Ouais. D'accord. Ok. Donc, je vais refaire un petit œuf avec un petit nœud. Mais on va changer la couleur du petit nœud. Hugo, un petit nœud bleu. D'accord. Ouais. Et je le refais en rose pâle ou je le refais en couleur chocolat? Couleur chocolat. Ok, d'accord. Donc, on va refaire un petit œuf couleur chocolat avec un nœud bleu. Ok? Ok. D'accord, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc nous allons démarrer l'œuf. Et comme tous les tissages de perles, on commence par l'échelle de départ. L'échelle de départ, c'est l'endroit où il y a le plus grand nombre de perles. Là, c'est ici, il y a 12 perles. Donc 12 perles de la même couleur. Donc je vous réexplique l'échelle de départ. On prend 2 perles. D'accord ? On repasse dans cette perle-ci. Ok. Revient dans la première perle. Et on reprend une perle. On va comme ça. Passe dans la perle 1. On revient dans la perle 2 et on se replace dans la perle 3. Ok. Quatrième perle. Voilà. Alors, en fait, l'inconvénient quand on prend le fil, c'est les petits nœuds. Donc, vous pouvez prendre un peu moins. Moi, j'ai pris directement tout le fil pour faire tout l'œuf. J'ai pris un bon mètre, mais vous pouvez prendre. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre d'un coup. Donc, faut pour aller trop vite, quoi. Alors, on revient toujours dans la perle d'avant. On repasse
dans la pince d'à côté et on se remet ici. Cinquième perle. On va toujours à l'opposé. Voilà. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la 12e perle. Voilà, les 12 perles sont montées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, les 12 perles de l'échelle de départ sont installées. Donc, ça fait bien comme une petite échelle. Alors, moi, je repasse dans la perle d'à côté. Et je reviens là, dans la perle prête à repartir. Hop, voilà, ok. Donc maintenant, on va faire, donc ça c'était la 12e paire, enfin le rang de 12 paires, 11, 10, 9, 8, 5. Ce ne sont que des diminutions, c'est pour ça que je dis que c'est un modèle très très simple. Alors, donc Hugo, il a dit chocolat, donc marron. Après, là, les petites perles à l'unité, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. On va voir ce qu'on va mettre comme couleur qui est un petit peu flashy sur du marron, donc du orange, du rose. Après, j'ai pas mal de couleurs différentes, du violet. Bon, on va voir après. Alors, diminution. Chaque début de rang, deux perles. Donc, deux perles. Ok. Donc là, deux marrons. Diminution, on se place
on va aller se placer là. D'accord? Alors, petites perles, elles vont se mettre comme ça pour qu'elles se tiennent bien. On va repasser dans cette perle-ci. D'accord? Et revenir dans la perle là. D'accord? Bien tenir entre ses doigts pour que ça se place bien. Et on va revenir dans celle-ci pour que ça se place bien. 3 sur le rang du dessous. Voilà. D'accord? Et quand on regarde le schéma, on voit que la deuxième perle marron doit se trouver entre la perle 2 et la perle 3 du rang précédent. 1, 2, 3. Donc, elle doit se trouver là. D'accord? Après, on prend une autre perle. Donc là, c'est encore marron. On va aller ici. Petit pont d'à côté. D'accord? Voilà. Après, les bleus. En l'occurrence, on a décidé de faire un nœud bleu. C'est un modèle quand même franchement très facile et très rapide. Bleu. D'accord. Voilà, donc là maintenant bah, vous continuez, vous allez au bout du rang, diminution, 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 puis je vous retrouve là et je vous montrerai comment diminuer de 2, parce que là à chaque fois on diminue de une perle et là on diminuera de 2 perles, donc on se retrouvera là et je vous indiquerai comment on fait pour diminuer de 2 perles. Voilà, donc logiquement, vous êtes arrivé ici. Afin de pouvoir diminuer de 2 perles, il va falloir ressortir. Là, vous êtes dans cette perle-ci, il va falloir ressortir dans cette perle-là. Pour ce faire, il va falloir... Alors... On va repasser dans cette perle, la perle d'à côté. On va passer dans les perles du rang précédent. Celle-ci. Celle-ci. Et on ressort. Et vous voyez qu'on est ressorti dans la bonne perle. D'accord ? Et là, bah, il ne vous reste plus qu'à... C'est comme si vous faisiez une diminution de une perle. Puisque vous êtes ressorti dans cette perle-là. Et là, il faut que votre deuxième paire se trouve entre la 1, 2, 3 et 4 du rang précédent. 1, 2, 3, entre la 3 et la 4. Donc, ce qui est bien, comme si vous faisiez une diminution que d'une seule perle. Alors, donc, troisième perle, couleur chocolat. Voilà, donc là j'ai pris des jaunes. Et une dernière perle chocolat. Voilà. Donc la moitié de l'œuf est terminée. Maintenant, il vous reste plus qu'à faire la partie inférieure qui est la même que la partie supérieure. Voilà, où vous répartissez les petites perles de couleur où vous voulez. Là, c'est le nœud et puis après vous vous mettez un peu comme vous avez envie. Voilà, donc pour refaire la partie inférieure, il faut, alors on va
repasser dans nos perles. Faites des petites allées et venues. Hop. Et voilà. Puis ça reconsolide un peu l'ouvrage. Voilà. Donc là, reste plus qu'à faire l'autre côté. Voilà, donc je vous laisse faire et puis on se retrouve à la fin. Le petit œuf est terminé. Voilà. Donc, si quand vous allez télécharger la grille, vous voyez que là, il y a un deuxième modèle. C'est celui-ci. D'accord ? Et là, je les ai placés de telle sorte que, ici, si vous voulez, vous prenez des petits crayons de couleur, ou les enfants, si c'est les enfants qui font, puis ils font leur coloriage en fonction de ce qu'ils veulent faire comme petit œuf. Voilà, donc ce modèle nécessite 98 perles à mât mini. D'accord ? Il mesure, c'est pas très très grand, hein, 3,3 à peu près par 3 de large. Voilà. Après, vous pouvez le mettre en porte-clés ou voilà. Ou moi, je vais les garder pour les mettre sur des petits rubans pour justement décorer des petites serviettes pour décorer une table. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tout ce que je poste. Mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît si le tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt et bonne création !